Encore et toujours des faits sacrés, mais des commentaires libres. Et pour les commentaires sur ce plateau, lié avec moi, Christophe Lucet. Bonsoir. Bonjour Bastien. Et puis Jefferson des Sports. Bonsoir Bastien. Beaucoup de choses à dire, hein, messieurs, parce qu'entre... Euh la santé des uns et des autres, la politique nationale, internationale, les élections municipales à venir, on commence par quoi Allez, ce qui fait la une des journaux depuis plusieurs jours maintenant, le coronavirus, ça y est, c'est la grande peur, c'est la grande épidémie, Jefferson. Pour l'instant, on est encore au stade 2. Euh, mais euh, tout le monde, enfin en tout cas, les autorités de santé, les gens qu'on a pu interroger, euh, annoncent très clairement qu'on se dirige tout droit vers la phase 3. La phase 3, c'est que le, 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 le virus circule en permanence, donc il faudra adapter les, les réponses. Et une des, des adaptations qui sera faite, ce sera de mobiliser le secteur libéral. Pour l'instant, c'est vraiment le, le secteur hospitalier qui est en première ligne. Maintenant, on voit les cas se multiplier de jour en jour. Il y a un point, le gouvernement tient un point euh, presse tous les soirs. Euh, c'est suivi extrêmement, c'est suivi très au sérieux. Voilà, on est dans dans une phase qu'on qu ne connaissait pas. Euh, maintenant, la difficulté, c'est de vivre avec tout ça et de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, sachant que, vous l'avez dit, il y a des élections municipales qui se profilent dans, euh, maintenant, euh, le 15 mars, et nous sommes le 3 aujourd'hui, vous voyez, dans 12 jours. Ouais. – alors, comme, comme dans pareil cas, pour un gouvernement, c'est compliqué. Il faut à la fois être, ne pas paniquer la population, en même temps, en même temps prendre des mesures qui s'imposent. Donc être sur ce chemin de crête, entre entre, nous, on ne s'affole pas et en même temps on, on, est, on, est, on, est présent, on est présent on prend les mesures, on prend les mesures qui s'imposent. Euh, alors, il ne faut pas, évidemment, pas paniquer, puisqu'il euh, faut savoir quand même que le coronavirus qui circule actuellement, c'est un, un coronavirus parmi d'autres. Alors, c'est le dernier de la famille, on ne le connaissait pas. On ne sait pas tout à fait encore comment il se, comment il se diffuse dans la, dans la population. Mais enfin, les coronavirus, euh, selon les spécialistes, seraient entre 1500 et 2000 morts par an en France, hein, euh, sans parler même de la grippe, qui, elle, est, est au-dessus des 10 000 morts par an. Donc, voilà. Euh, donc, évidemment, il faut raison-garder. Mais euh, donc, c'est simplement, euh, on est dans une phase d'apprentissage où il faut euh, euh, que réorganiser la vie sociale euh, de, et savoir s'il faut le faire euh, sur tout le territoire ou simplement le faire dans, des, dans, des, dans, dans les zones infestées. C'est voilà, voilà, très compliqué, c'est évolutif, euh, j'allais dire heure par heure. C'est vrai que là on est quand même, euh, c'est peut-être pour ça qu'on en parle autant de ce coronavirus. En plein film de science-fiction. C'est-à-dire qu'on se retrouve là dans un, dans un scénario catastrophe qui a été écrit à de multiples reprises, qui a été mis en image également. On est en plein dedans là. Il y a toujours quelque chose de fascinant avec ces grandes épidémies qui arrivent. La difficulté là, c'est que ce virus, il mute. Donc euh, on sait que les personnes les plus vulnérables vont être les plus exposées, mais euh, a priori, le virus pourrait aussi atteindre euh, des gens en meilleure santé que l'optogénaire classique qui va être, lui, euh, vraiment surveillé de très près. Donc voilà, la difficulté, c'est ça, c'est que ce virus mute, qu'il se propage. Euh, maintenant, est-ce qu'on euh, a trouvé une parade Il faut se laver les mains, éviter éternuer dans son coude. Dans son coude. Voilà, ça modifie la relation sociale, ça, ça la modifie d'autant plus qu'on est en pleine période électorale. Et comment un élu peut faire campagne sans serrer les mains. Voilà, euh, on une vrai, un vrai paradoxe, c'est-à-dire que s'il y a un moment dans la vie d'un élu où il est au contact des gens, où il doit les rencontrer, il fait des réunions d'appartement, il fait du porte-à-porte, -porte, il fait des réunions publiques, ça suscite autant de contacts quotidiens, c'est-à-dire serrer les mains, faire des bises, embrasser les gens qu'on connaît ou pas. Voilà, donc là, on est dans ce, cette configuration-là et c'est effectivement, c'est très compliqué. Et, et alors, ce qui est, ce qui est, ce qui est aussi, donc, euh, frappant, c'est que donc, là, là le, le virus a touché la France il y a, il y a quelques semaines, euh, on suit quand même les, les épidémie depuis plusieurs plusieurs depuis le mois de janvier hein, donc en Chine euh, donc le phénomène le phénomène des c'est ce côté ce côté mondialisé du coronavirus cette idée que nous avons fait affaire, affaire à la première épidémie de la mondialisation est quelque chose d'assez fort hein, dans, voilà. dans, dans, les, dans, dans ça, ça, ça transparaît et les, et les conséquences évidemment elles sont, elles sont déjà partout c'est-à-dire que ça, ça vient impacter percuter la vie sociale toute l'économie que ce soit l'économie voilà, que est ce ça alors... soit, que ça soit les spectacles mm -hmm. que ce soit les municipales comme disait le dire, Jeff. – On va en parler. Voilà. Ah. C'est bien sûr trop tôt hein, pour évoquer ce thème-là, mais est-ce que vous pensez quand même, puisque vous avez évoqué le, le, la mondialisation, que La sino -dépendance, euh, est apparue au grand jour et que potentiellement ce virus et cette épidémie pourraient avoir peut-être des conséquences éventuellement d'une économie un petit peu plus euh, euh, locale avec des pourquoi pas ah, euh, on a, euh, des retours d'usines de production. On s'est rendu compte à cette occasion par exemple que ben, il suffisait que la Chine arrête de produire certaines molécules euh, qui sont essentielles dans, le, dans la fabrication de médicaments pour qu'on se retrouve en, en rupture de stock, en, en véritable danger, est-ce qu'on va vers une réflexion, à votre avis où, Bon, c'est peut-être trop bah, tôt en parler, mais en tout cas, euh, là, là, ça paraît au grand jour. – On a entendu le ministre de l'Économie bah, bah, évoquer, évoquer de possibles relocalisations. Voilà. Euh, le gouvernement pense par exemple à la, au secteur des médicaments, qui est un secteur, secteur stratégique euh, qui, est, qui, qui, a, qui a en partie échappé euh, donc à, à, la, à la production française, cest la, la production française dépend, on, comme vous venez de le dire, de, de, de molécules produites à l'étranger, notamment en Chine. Euh, là, les chaînes d'approvisionnement de l'ensemble de l'industrie sont, sont impactées puisque, puisque la Chine est à, et sans être... Tout... L'usine du monde, comme on le dit toujours, mais elle, 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 elle occupe une place clé dans, dans tous les processus de production. Donc il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, évidemment, de, de secteurs économiques qui aujourd'hui euh, s'attendent hein. avec un effet retard à des, à, des, à des blocages assez considérables. Donc, ça, c'est un argument évidemment pour réfléchir de près à, tout ce, à, à cette, cette sino-dépendance et à ce que l'on pourrait faire pour être moins dépendant sans, sans évidemment remettre en cause un système est, économique. C'est euh, plus vrai. Enfin, en tout cas, la, la, la prise de conscience. Elle est d'autant plus vraie qu'en plus on s'ajoute à ça la question du transport qui aujourd'hui, dans une réflexion sur le réchauffement climatique, les problématiques écologiques, etc., avoir des usines en Chine suppose des liaisons aériennes, suppose beaucoup de transport et des coûts. Aujourd'hui, si la question de la relocalisation de certaines activités stratégiques, comme le disait Christophe, ou de, des stratégies plus industrielles de, de produits de masse, textiles ou autres, venait peut-être être, être relocalisée, il y aura aussi cette dimension écologique dedans. Donc, donc en fait, on se rend compte que là, tout est lié parce que les liaisons aériennes qui ont été suspendues vers la Chine ont contribué à améliorer, en tout cas à faire baisser les émissions de gaz. Voilà, donc ça, ça, je pense que cette crise peut ouvrir beaucoup de réflexions. Oui, mais juste parce qu'on parle de réchauffement climatique, sachez qu'à partir de, de ce mercredi, ça y est, la France vit à crédit en 2020 concernant... Ces autorisations de pollution pour euh, toute l'année. Hein. Ça y est, on est déjà, euh, on a déjà pollué. Est en le, deux mois et demi, on a déjà pollué ce qu'on aurait dû polluer en une année. Alors, est-ce euh, que l'épidémie de coronavirus va nous aider à, à tenir nos, à tenir nos, nos objectifs euh, Alors, euh, hum. la réforme des retraites, euh, le 49-3, le gouvernement passe en force, justement, euh, Edouard Philippe, hein, ce, un samedi, alors qu'il est question du coronavirus, mmh. dit grosso modo un peu. Bon, ouais, bon. Ah, tiens, en fait, on va faire aussi le 49-3. Bah, la surprise générale, surtout, personne euh, n'était prévenu, bon, bah, y compris dans générale, sa majorité. On, on les députés, non, les députés... On allait, les... on allait vers le, le 49-3 mmh. quand même. La rapidité, peut-être, oui. En tout cas, le, le, le mode opératoire de ce, cette journée du samedi, où les députés ont reçu des textos pour leur demandant d'arriver en urgence à l'Assemblée, ça, c c ils ont gardé un effet de surprise. Les oppositions n'étaient d'ailleurs pas là. Beaucoup ont dû rejoindre l'Assemblée en catastrophe. Maintenant, vous avez raison de le souligner, Bastien, c'était une issue écrite. Et c'est toute la stratégie euh, des oppositions, c'était de pousser euh, le gouvernement, 49-3, le pousser pour euh, acter un acte d'autorité et rien d'autre. Donc après, on peut en... après reste, tout ça reste un exercice démocratique. Je crois qu'il faut un, insister là-dessus. Les, les oppositions sont dans leur droit de faire des amendements jusqu'à l'absurde, jusqu'à 40 000, 50 000. Mais tout ça, est, euh, finalement, c'est un ressort démocratique. L'opposition a joué son jeu jusqu'au bout elle a poussé le gouvernement à prendre un 49-3 qui est dans la Constitution et qui est une réponse tout à fait valide. Et voilà, donc chacun a joué sa partition et en tout cas c'était un scénario écrit. On l'a écrit dès le début, dès qu'on a su qu'on avait 40 000 amendements qui étaient déposés, c'était écrit d'avance que ça se finirait avec un enfin, 49-3. J'aurais un bémol, c'est qu'introduire 40 000 amendements dont, dont, dont 35 500 sont, sont totalement... Euh, du, des copier collés donc n'ont euh, dont aucun intérêt si vous voulez quelle est quelle est, quelle est, quelle est la, la respiration démocratique que cela apporte euh alors qu'on qu pourrait en apporter euh, apporter quatre ou 500 amendements bien fichus euh, qui qui, qui, qui une discussion un peu longue euh, et qui irait au fond des choses je crois que là là l'opposition l'opposition a quand même non, a quand même, même joué même un jeu, en 15 jours un de jeu débat, qui, pardon je euh, termine pardon je termine un jeu qui débat. un jeu assez assez absurde euh, et qui a poussé qui a poussé le gouvernement enfin, le oui le gouvernement s'est laissé pousser au, au 49-3 parce qu'il y avait guère d'autres solutions après il, après le, le débat rebondit puisque le sénat maintenant s'en s'en empare, empare le sénat est dominé par la droite euh, la Discussion va se poursuivre. Il y aura un retour à l'Assemblée euh, et un vote en, en juillet. Donc on est, on, est, on est très loin du coup de force que, que dénonce l'opposition. Il, il y a quand hum. même, je ne peut-être pas évoquer un, un coup de force, mais une volonté quand même pour le gouvernement d'aller très très vite. Il veut que tout soit prêt et tout soit mais, engagé mais, oh, le 1er janvier 2022. C'est là où il faut revoir... C'est là, là, là où je ne suis pas d'accord avec Christophe. On n'arrête pas le train lancé. C'est le C'est là où je ne suis pas d'accord avec Christophe. C'est que euh, y avait, Quelle urgence y avait-il à, à ne réserver que 15 jours de délai. Débat pour un, un sujet aussi, aussi, aussi central qui va avoir des conséquences pour les générations à venir. C'est essentiel. Et si le gouvernement qui est dans l'acte 2, je vous rappelle que l'acte 2 du quinquennat et c'est ce qu'avait dit Macron, c'est la concertation. Certes, il y a eu deux ans et demi de concertation on, on, on avec Deleau. Excusez-moi, mais le, le, le grand débat après, lancé après le, le, les gilets jaunes, c'était ce qui était promis hein, par Emmanuel Macron. Justement. Et à on va s'écouter, on va s'entendre, on va parler. Je, et puis on, Et, on et à l'arrivée, vous 9, avez 3, 15 jours de débat. Et donc, moi, je pense qu'il vaut mieux quand même que le débat soit riche même jusqu'à l'absurde dans l'enceinte de l'Assemblée nationale que dans la rue. Là, on est dans un cadre qui... qui non, le débat n'était pas riche, il était absurde. Il était absurde, il mais il vaut absurde. mieux que ce soit absurde. ça que plutôt que mmh. les gens s'affrontent dans la rue et que ce soit n'importe quoi comme on l'a connu avec la crise des Gilets jaunes, émaillé des violons, ce que l'on sait. Maintenant, le, le, le débat, l'acte 2, ça devait être la concertation. Le gouvernement pouvait dire, on prend trois mois, on prend, vous voulez aller au fond des choses, allons au fond des choses. Là, vous avez voté sur un texte à trous, la clé, les clés de financement ne sont pas posées, la conférence de financement se fait en parallèle. Mal, ça se passe pas, com en comment on peut justifier d'engager <laughs> un projet aussi réformateur, aussi important en, en limitant bah, le je, temps. je crois que la réponse, la réponse, la réponse Jefferson, c'est qu'on peut prendre un mois, on peut prendre deux mois, on peut prendre trois non. mois, on peut prendre six mois, on peut prendre un non. an, on peut prendre deux ans. Si les, si les, positions, sont, sont, les positions sont éloignées, euh, il y a assez peu de chances qu'elles qu oui. se rapprochent. Le gouvernement prend ses responsabilités en, 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 en mettant en place, si vous voulez, une, une réforme qui avait été annoncée par le président de la République lorsqu'il a été élu. Ce n'est pas totalement absurde. Alors, euh, on alors, peut pr... créer... Et, 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 je je hein. et je considère que ce, ce, ce débat sur le thème, euh, le gouvernement va... Trop vite est assez infondé. Euh, ça non. fait ça fait trois ans qu'on en parle. Mais le, le aujourd'hui et, et, et aujourd'hui aujourd tous la à discussion avoir pardon, la clarté. Je tous. La, dis, la discussion va et se poursuivre. On l'a pas la, la C'est euh, certes une réforme de, très importante qui mérite qu'on y passe du mmh. temps, mais ça fait déjà pas mal de temps qu'on en parle. Et, euh, et à un moment donné, si vous voulez, euh, il faut que il faut que la France la France soit gouvernée. Mais c'est Mais je pense que la France, j'insiste à ça. Je pense que la France, elle est gouvernée. Mais quand vous sortez de la crise des gilets jaunes et que vous êtes là en train de dire, il faut, faut que je il faut recoudre une relation entre son opinion, le pays et le pouvoir sur un sujet aussi fondamental. Vous dites J'ai 15 jours, vous allez faire vos amendements, je prendrai le 49.3. À l'arrivée, ce sera comme ça. Si vous êtes dans une, dans une volonté de reconstruire quelque chose, de renouer avec votre opinion sur un sujet aussi majeur, sachant qu'il y a quand même beaucoup de doutes et que tout n'est pas posé, vous prenez le temps. L'urgence. Pourquoi, pourquoi cette volonté de mettre en place des deadlines par le gouvernement C'est-à-dire, il faut à tout prix que ça passe avant les municipales, il faut à tout prix parce que ça qu il soit parti le 1er janvier 2022 que, euh, On est dans la politique, parce que là, ils ont choisi ça pour dire euh, on aura fait cette réforme, aussi imparfaite soit-elle, aussi frustrante soit-elle dans l'expression, euh, ce sera fait. Donc il y a une part de dogmatisme. Je pense que la France est gouvernée, il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense que dans la pas, relation aux choses, c'est assez incompréhensible. Étant donné que c'est une réforme clivante, et, et pourquoi, pourquoi vouloir, vouloir euh, la, 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 pro, la prolonger de façon, de façon exagérée euh, au risque de, de, de pourrir l'atmosphère pendant, 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 jusqu'à la fin du quinquennat On comprend très bien que, que le gouvernement. Mais je ne pense pas sortir. que débattre, sur ce soit la Je pense qu'il qu y a une, pro, une hein. logique Absolument, assez profonde à vouloir, à, à vouloir après, une, après, après la concertation, vouloir, vouloir appliquer les choses. C'est pas absurde. C'est une question qui peut être un peu saugrenue, mmh. mais bon, on, on connaît, hein, notamment. Les séquences. Hein euh, Est-ce que le, le, est que le coronavirus est en train de, de sauver le gouvernement, sa réforme des retraites de 49 ouais, Ce qu'on qu peut, ce qu peut dire, dire il y a eu quelques, quelques mobilisations. On est d'accord. spontanées pour, pour, pour certaines, dès dimanche. Est-ce que le climat, aujourd'hui, va faire que finalement... Ben, bon, on va parler d'autre chose. On va en passer à autre chose. Et que ben, la réforme des retraites... Euh disons que disons, que, disons que pour l'instant elle est un petit peu elle est un petit peu occultée par le coronavirus ouais. voilà euh, elle, elle est passée au, elle est passée au second plan euh, donc effectivement les rassemblements n'ont pas fait n'ont pas fait le plein euh, les, les gens pensent à autre chose les français pensent à autre chose euh, ça, ça, c'est pas pour autant que là, que le sujet va disparaître des radars hein. euh, c'est un sujet qui concerne tout le monde c'est un sujet qui est conflictuel donc euh, lorsque l'on parlera moins du coronavirus le, le, le sujet des retraites reviendra De façon, qu reviendra soit, sur la table hein. visiblement les, 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 les recours maintenant il euh, y, y, y en a plus enfin c'est terminé bah, hein, non mais il hein, y, y, y aura comme ce que disait Sauf il y aura le passage devant le Sénat, ensuite il y aura la deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Tout ça n'est pas, pas terminé. Et en tout cas, ça va, ça va. Je pense que ça, ça ne crée pas de l'apaisement. Voilà. Donc après, on verra comment, comment ça se passe. Euh, pff, on aurait pu euh, évoquer les, 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 municipales, mais euh, ce qui nous reste, euh, oui, un, un tout petit peu de temps, hein, à peine. Hein. Bon, il y a une menace qui plane sur les élections municipales, encore une fois liée au coronavirus. Euh, bon, comment vous la voyez effectivement cette dernière ligne droite là pour la, pour la campagne On a l'impression que là aussi, euh, ça passionne pas vraiment les foules hein, quand même. Bah, -ce que, euh, ah, pff... À part Paris, peut-être. Bah, comme, en, comme il en il va il des élections municipales comme de, comme de la réforme des retraites, elle est un petit peu la campagne est un peu occultée par l'épidémie. Par, par, par en même temps, les deux faits sont liés puisque la question de savoir si on va les maintenir, par les maintenir, elles sont maintenues très probablement puisque un, un, les, les, la, la difficulté de, de, les, de les reporter dans l'urgence serait, faut serait, pas serait que les très, très grande. Moi, je viens, pas parce que euh, je viens de, je, je de m'intéresser aux élections israéliennes où le, corona, Israël, où le coronavirus euh, f, a également frappé. Les Israéliens avaient, avaient Organiser 15, 15, 15 bureaux de vote spéciaux pour permettre aux personnes aux personnes contaminées de venir voter. Est-ce que est-ce que dernière question est-ce que le 49 3 peut coûter très très cher? Euh, aux candidats de, de la REM, à ces ils municipales ont, Ils n'avaient pas besoin du 49.3 mais pour, voilà, être, pour, être, très, plus, très, pour être très hein mal embarqués dans ces municipales. Mmh. La réforme des retraites en elle-même, ce sujet et la manière dont elle a été menée euh, est, est forcément un handicap de plus. Il faut quand même rappeler qu'ils n'ont pas des candidats non plus partout. Je pense que les maires sortants, euh, là, il y a quand même une assise. On, on va assister à des choses très intéressantes, mais en tout cas, ils n'avaient pas besoin de ce 49-3 pour être très mal embarqués sur ces municipales. Écoutez, merci. Un, un petit mot, Christophe non euh, non, non. Je euh, vous, vous remerciez si, hein, Bastien, euh... de m'avoir invité euh, <laughs> sur ce Je plateau. Vous... Merci beaucoup. Hein, euh, en merci, tout cas, euh, et puis, Bastien. Euh, à la semaine prochaine. On à aura prochaine. Encore certainement beaucoup de choses à. Bon, on sera dans la dernière ligne droite municipale pour le coup. Tout à fait. À la semaine prochaine.